Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. Samedi au cinéma Le Méliès, ne manquez pas l'avant-première du film d'animation Petit Vampire, en présence du réalisateur Johan Sfar. C'est l'histoire de Petit Vampire, il vit dans une maison hantée avec une bande de monstres, mais il s'ennuie terriblement, ça fait 300 ans qu'il a 10 ans. Son rêve, aller à l'école pour se faire des copains, un film à voir dès 5 ans. Fractal de Francesca Ziviani, c'est ce samedi au Théâtre 145. Francesca Ziviani, elle est chez nous, elle signe sa première chorégraphie en s'inspirant de la physique de l'univers et cherche à trouver l'harmonie en acceptant le conflit. Une rencontre en bord de scène est prévue à l'issue du spectacle. On ne sait jamais trop quand ni comment ça a commencé. On prend l'histoire en cours et puis après... Samedi au Théâtre en rond de Sassenage, ne manquez pas Michael Hirsch et son nouveau seul en scène, Je pionce donc je suis. Un spectacle sur les bienfaits du sommeil et des rêves. Michael Hirsch incarne tour à tour une vingtaine de personnages. Il manie les mots entre humour et poésie et rêve d'un monde meilleur. La 15e édition du Festival international du film Pastoralisme et Grands Espaces, c'est jusqu'au 11 octobre. Au programme, 18 films en compétition sur le thème de l'alpage, des activités pastorales des quatre coins du monde, des bergers, des éleveurs qui les font vivre, 3 rencontres professionnelles, 4 expositions photographiques qui proposent différents regards sur le pastoralisme. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.